comment lire le monde? Ça, c'est la question. Vous regardez, tu regardes partout autour de toi. Tu vois tellement de choses. Tu regardes la télévision, tu écoutes. Les gens te disent, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Comment savoir comment vivre? Comment se comporter? Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Avec les amis, avec les autres, en classe, au travail, dans la rue. Il est très difficile de trouver le bon chemin. Mais il y a quelqu'un qui est passé par là, qui est venu avant nous, avant toi, avant moi, et qui nous a donné la clé de la solution, la clé du bonheur. La clé du bonheur, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Et cette clé, c'est l'amour, c'est aimer. Aujourd'hui, on utilise ce mot n'importe comment. Et bien, c'est vrai qu'en français, on peut dire aussi bien j'aime ma mère, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime le chocolat, j'aime les sardines. Et pourtant, il y a une différence. Et puis, en fait, on voit beaucoup du contraire. Les gens se battent, pas seulement dans les guerres, mais dans la cour de récréation, dans les écoles. Ça commence à l'école primaire. Quand ma première fille avait 4 ans et demi, elle a commencé l'école primaire. Et dans sa classe, il y avait un garçon qui était légèrement plus jeune qu'elle. Il avait juste 4 ans. Et il la menaçait tous les jours en lui disant « Tu vas voir, mon père va te tuer. Il a un flingue. Moi, j'ai un couteau, je vais te tuer. » Et elle avait tellement peur qu'elle ne restait jamais toute seule. Quand je la posais à l'école, il fallait que je la donne à la maîtresse. Et elle tenait la maîtresse par la main jusqu'au moment où elle rentrait en classe. Tellement elle avait peur de ce petit garçon qui racontait bien sûr des bêtises parce qu'il n'allait rien faire à ma fille. Et ça s'est bien passé finalement. Je ne sais pas ce que le garçon est devenu. La violence, elle est partout. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que nous cherchons? Moi, ce qui m'attire, c'est d'être aimé. J'ai toujours rêvé de ça. Quand j'étais toute petite, je restais avec ma grand-mère et mon grand-père. Et je me sentais vraiment bien aimée. Ils me parlaient gentiment. Même quand j'ai fait des bêtises, c'est arrivé. Ils m'ont blâmée, mais je n'ai jamais été violentée. Après, j'ai rejoint mes frères et sœurs dans la grande famille de mes parents. Et la vie était difficile, mais on était contents ensemble. Tout le monde et chacun, chacune, a un besoin d'amour. On est prêt à faire n'importe quoi pour faire plaisir à quelqu'un. Et souvent d'ailleurs, ça nous amène à faire des bêtises. C'est parce que l'amour, le besoin d'amour est ancré dans les gens. Et alors, je vous suggère que pour lire la vie autour de vous, pour lire les événements, pour choisir votre camp, parce que c'est ce qu'on va vous dire à l'école, il faut choisir. Mes filles sont arrivées en Angleterre dans une école qui était un peu violente. Il y avait beaucoup de gamins qui étaient délaissés par leurs parents. Et c'était une école multiculturelle. Et le premier jour où mes filles sont arrivées là, elles étaient métisses. Et les noirs d'un côté, les noirs ou perçus comme tels, les noirs, les gens du Proche-Orient qui étaient nombreux, et puis de l'autre côté, les blancs, leur ont dit, bon, alors tu choisis, il faut choisir ton camp. Et elle regardait d'un côté, de l'autre, et elle se disait, mais comment choisir? J'appartiens aux deux camps, mais c'est pas possible. Ces deux camps étaient des ennemis. Alors elles ont regardé leur comportement. Et en fonction du comportement de ces gens, de ces enfants, de classe de 6e, 5e, 4e, elles ont décidé lesquels elles allaient rejoindre.
Et vous, comment allez-vous choisir? Jésus a dit qu'il était le chemin, qu'il est le chemin et la vérité et la vie. Alors, en fonction de la confiance que vous pouvez lui faire, parce qu'il n'a jamais déçu personne, et il y a des siècles de cela, avec des tas de témoins, regardons un peu ce qu'il a dit. C'est ce que ses amis ont écrit. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà le message que vous avez entendu dès le commencement. Le message de Jésus, c'est aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Jésus a dit, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, pas seulement ceux qui vous aiment. Aimez vos ennemis, ceux qui croient qu'ils vous détestent, parce que peut-être que ce n'est qu'une impression. Faites du bien à ceux qui vous détestent, sans espérer rien en retour, et votre récompense sera grande. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Le filtre qui va vous permettre de lire les événements et les gens, c'est le filtre de l'amour. Regardez leurs yeux, regardez leur comportement. S'ils montrent de l'amour, du vrai amour, pas de l'amour qui fait semblant. Quelqu'un peut essayer de vous tromper en vous promettant monts et merveilles, mais seulement parce qu'il veut quelque chose. Comme le garçon qui dit à la fille, je t'aime, je t'aime. Une fois qu'il a couché avec elle, il la jette. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour est sacrificiel. Aimer, c'est être prêt à donner sa vie pour l'autre. C'est l'amour que les parents doivent avoir pour leurs enfants, que le mari et la femme doivent avoir l'un pour l'autre. Et si quelqu'un montre cet amour vis-à-vis de vous ou des autres, vous saurez qu'ils sont dans le bon camp. Au contraire, si vous voyez la haine dans les yeux de quelqu'un, dans son comportement, vous savez qu'il faut s'enfuir de ces gens-là. Ou du moins, si Dieu vous a envoyé au milieu d'eux, attention à la façon dont vous vous comportez, parce que vous êtes en terrain miné. Regardez les gens qui manifestent dans les rues. S'ils manifestent en chantant tranquillement, ça va. Mais beaucoup de très souvent, ils crient ah, ah, ah! Et vous sentez une atmosphère, une odeur de haine dans leurs yeux. Ces gens qui ont des préjugés, des stéréotypes, parce que tu es comme ça. Tu es du mauvais camp. Parce que tu dis ça ou que tu crois ça, tu es du mauvais camp. La haine, elle se propage comme un poison. N'adhérez jamais à cette atmosphère. Si vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu aime. Il a décrit son amour pour son peuple dans le livre d'Ézéchiel. Il lui a dit, je t'ai vu, tu restais là, par terre, dans ton sang,
Quand tu es né, personne ne t'a lavé, personne ne t'a oint avec de la crème, personne ne t'a habillé, tu étais toute nue. Je t'ai habillé, je t'ai lavé, je t'ai aimé. Le livre du plusieurs livres de la Bible racontent cet amour de Dieu pour son peuple. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Maintenant, juste comme exemple, on pourrait en trouver d'autres, mais vous lisez le Coran, et qu'est-ce que vous voyez dans le Coran? Vous voyez à la sourate 2, versets 190 et 191, il est écrit, Dieu, Allah, n'aime pas les transgresseurs, tuez-les où que vous les trouviez. Et le Coran encourage les musulmans à égorger ceux qui ne croient pas en Allah. Ça n'est pas l'amour. Vous n'avez pas même besoin d'aller à l'école pour apprendre que si vous entendez quelqu'un vous dire de tuer les autres, de les détester, de se battre avec eux, de tuer et d'être tué ensuite, et que vous n'irez au paradis que si vous faites ce que Allah a dit, tuer les incroyants. Ça n'est pas l'amour, c'est la haine. À mesure que vous allez lire des livres, que vous allez écouter les autres, vous entendrez crier l'amour d'un côté, la haine de l'autre. Mes enfants, mes frères, mes amis, suivez l'amour.